where Burundi came from my aunt. She had an idea in her head to open a pilot project for mentally disabled children in Burundi, because she had a Burundian friend that approached her and told her about the situation. Actually, it's funny because I didn't really know anything about this country before. It's like I knew it existed somewhere in Africa, but I didn't really know about Burundi. I started inquiring about the project more and more, and suddenly here we are. Hello everyone, we are Nader and Imad, the Globejumpers. This year, we have decided to get involved in Burundi. Our mission will be to raise awareness within the local society and their families by creating a leisure center in Bujumbura, the capital city of Burundi. So if you're watching this video, that means you could also help. And as soon as I heard Burundi, Africa, kids with mental handicap, I was like, I'm gonna go full on this project that I really wanted to go. You ask your friends or your community, in our case on the social media, friends as well, to donate whatever they can and whatever they think might help. Pour vider le magasin $1, beaucoup de crayons, pinceaux, peinture, tout ce que tu as besoin pour faire un camp de jour. At the beginning, before even starting the summer camp, we were reunited for 3 days to kind of just talk about the plans of what we're gonna give them, what tasks, how we're gonna divide the groups. It's a summer camp, right? So basically, the activities that we organized were very basic: sports, dancing, singing, writing, arts and crafts. For 5 days, each kid will be working on his eyes, on his writing, more on his vision, more on his sound, sense. So that was the kind of work the volunteers were doing. We know we're not going to change the world in 2 weeks. It's not a lot of time. So basically what we're trying to do is really stimulate them and give them a little bit of confidence in themselves, and also being able to put some connections between the kids themselves. You know? On leur donnait beaucoup d'amour parce que c'était notre mission première. On était toujours en train de les cajoler, de les serrer dans nos bras, de leur donner des high five. On a été confrontés à tout type de handicap, des choses très très variables et qui, en Europe, au Canada, en Occident, sont pris en charge très différemment. On avait des enfants épileptiques qui, dont les capacités diminuaient par faute d'accès à des médicaments. Donc ce qui était très dur, c'était de se dire, ils sont en train de perdre cognitivement alors qu'on aurait juste à avoir les bonnes médications. On avait des enfants qui avaient des anomalies congénitales, de la trisomie, de l'autisme, différentes pathologies associées, certaines choses plutôt de l'ordre de la psychiatrie, psychose, différentes malformations. Puis là où nous, on pensait avoir des enfants, on s'est aussi rendu compte que pour les enfants, c'était des adultes. On avait invité les familles de chaque élève qu'on a reçu au camp pour juste faire une grande fête pour célébrer les 2 semaines de camp qu'on avait préparé. Pour dire, regardez, vos enfants, on fait ça, puis ils sont fiers, puis c'est une personne, puis elle mérite d'être respectée, elle mérite d'être vue pour sa personnalité, pas juste pour son handicap. Just
J'espère juste qu'au moins pour ses parents, pour les gens avec lesquels on a eu des échanges, ils aient pu se dire que le handicap n'était pas forcément de leur faute et qu'il y avait quelque chose à faire. En fait, s'ils pensent, ils voient plus leurs enfants comme Ikimuga, là, la vaisselle cassée, c'est peut-être là où on aura pu faire une différence. I saw the center. The first thing I saw, wow, this is so huge and it's so nice. Parce que je pense qu'avoir su, on se serait affilié dès le début avec ce centre-là. Because we knew our project wasn't going to be a sustainable project. We are just a bunch of travelers and volunteers and people that just want to go there and do good. J'étais agréablement surprise, considérant les moyens du pays, de voir qu'un établissement qui était tenu par des religieuses, qui avait pour vocation d'aider ses enfants, semblait faire du mieux qu'il fallait. Manque de matériel, manque de fonds aussi, beaucoup, pour payer les intervenants qui s'occupent des enfants. Mais le potentiel est là. Puis ils ont déjà une bonne organisation, ils ont trouvé une façon de récolter des fonds, ils vont faire des bracelets, des colliers aux enfants.